Dans une crise d'hystérie, le petit ramasse des poignées de terre pour les manger. Les cailloux minuscules crissent contre ses dents, les particules de sable enrayent les mailles et rendent plus atroce encore la grimace qu'il croit être un sourire. Il vomit une pâte sombre de terre et de bile, pliée en deux mais le sourire toujours aux lèvres. Il a l'air d'un ressuscité. Erk, ah ! Fait-il. Le grand ne sait pas s'il doit avoir une fin soudaine ou une tentative de suicide. Sa façon de sourire indique qu'il s'agit plutôt d'un dernier accès de folie. Lorsque le petit récidive, il le met KO d'un coup sec. Même inconscient, il garde ce sourire hallucinant. Durant les heures qui suivent, le petit se réveille plusieurs fois. Au bref moment de lucidité, succèdent crises déchirantes, sanglots et galimatias. Il n'a pas de fièvre, on dirait plutôt qu'un coup sur la tête lui a changé le cerveau de place. Il n'arrête pas de cracher, ses paupières battent comme des ailes de mouche et font tomber sur ses joues croûte épaisse qui lui colle aux cils. Une lèpre invisible le dévore. « De l'eau » demande-t-il. Le grand lui donne à boire. « J'ai froid. » Le grand s'allonge à côté de lui et le recouvre de tout son corps. « J'ai chaud. » Le grand lui déboutonne la chemise, passe de l'eau fraîche sur sa nuque, puis utilise sa propre chemise pour l'éventer. « Je suis sale. » Le grand lui baisse le pantalon, nettoie ses fesses avec de la terre humide, puis le rhabille. J'ai peur. Le grand le prend dans ses bras, comme un jeune marié avec son épouse, et le berce. Il est si léger qu'une seule main suffirait pour le soulever. Tue-moi.